Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le bœuf social sur JMTV+. Nous allons parler d'un fait qui s'est produit dans un des aéroports du Cameroun, un fait rocambolesque. Ils étaient deux, ils sont tous nés au Cameroun, ils ont prévalu d'une autre nationalité, ils vont régulièrement au Cameroun et obtiennent un visa d'entrée à l'aéroport. Une loi disposerait de cela. Mais cette fois-ci, l'un a été autorisé à entrer au Cameroun en obtenant son visa à l'aéroport, l'autre a été rapatrié dans son pays d'adoption. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur en lui donnant la parole, car il nous a sollicité, et c'est une tradition sur JMTV+, nous donnons la parole à ceux qui ont quelque chose à dire, à ceux à qui on la refuse, à ceux qui nous sollicitent. Bonjour, cher monsieur. Oui, bonjour Jackie, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, et vous-même? Oh, ça va, hein? Nous portons comme un charme ici. Là. Bon, mais le charme est canadien en ce moment, surtout. Il doit faire quoi chez vous? Moins 20, combien? Moins 40? Nous sommes à moins 28 là présentement, mais avec le facteur vent, on peut atteindre des moins 39. C'est la très mauvaise semaine, mais bon, on fait avec et on est habitué avec. Là. Chez nous aussi, en France, c'est la mauvaise semaine. Nous atteignons les moins 16 par endroit et nous pensons que c'est la catastrophe, alors que chez vous, j'ai souvent été dans votre pays, en janvier ou en février, comme ça, on atteint les moins 42 à Ottawa et le fleuve gèle au point où les gens traversent sur le fleuve. Hein? Tout à fait, oui. Voilà. Bon, comme disait Zivorin, Yako. Pas de souci. Alors, qui êtes-vous? Pouvez-vous nous donner, comme ça, suffisamment votre nom, vous présenter? Ok, je suis M. Francis Yapi. Je suis né au Cameroun le 29 mai 1973, à Yaoundé précisément. Et j'ai fait toutes mes études du primaire jusqu'à l'université au Cameroun. Et j'ai obtenu mon boulot au Cameroun avec une compagnie de services pétroliers dans lesquelles j'ai eu quasiment toute mon expérience. Je suis parti du Cameroun par affectation, puisque nous étions appelés à travailler un peu partout dans le monde entier. Et à la fin de mon cursus avec cette compagnie des services pétroliers, je me suis retrouvé au Canada avec ma famille, puisqu'on m'avait affecté au Canada. Et malheureusement, comme le pétrole, le secteur pétrolier se comportait très mal, nous avons arrêté de travailler en 2015, où j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et en volant de mes propres ailes, nous avons travaillé, nous sommes rentrés à l'université pour essayer de peaufiner notre connaissance pour pouvoir mettre sur pied une structure. Et chose que nous avons pu faire, et ma structure a commencé à prendre l'envol ici au Canada. Et nous avons entrepris, nous étant dans le monde, comme l'année passée, nous avons travaillé en Angleterre sur des puits qui voulaient abandonner, des puits de pétrole qu'on avait en mer du Nord, on devait l'abandonner, on devait la fermer. Voilà que moi, présentement, avec tout ce que nous faisons, je suis régulièrement appelé à rentrer au Cameroun, où j'ai de la famille et où je tiens fermement à m'y installer encore, me réinstaller en fait. D'accord, je vous comprends bien. Vous naquîtes donc à Yaoundé, dans quel quartier là? J'ai grandi à Yaoundé, au quartier Tinga. Ah, Tinga. Oui. Et après Tinga, nous sommes partis à Konengi. Ah. Mais j'ai fait mon cursus. Ce n'était pas en prison, rassurez-vous. Non, c'était pas en prison. Au quartier Konengi, en face de la prison. Ouais. D'accord, je vois bien, oui. Alors, vous êtes un enfant du Cameroun, vous êtes un Yaoundéen. Tout à fait, si on peut le dire. Lorsqu'on enlève l'autochtona et la logéna, vous êtes un Yaoundéen. Tout à fait, oui, tout à fait. Je me reconnais beaucoup plus comme un Yaoundéen qu'autre chose. Hein. C'est là où j'ai passé le plus grand de ma vie. Yoako et Wondo. Ah, Manuel Wondo. Ok. Alors, vous allez donc depuis... Vous êtes installé au Canada depuis combien d'années déjà? Je suis installé au Canada depuis 2007. 2007.
Oui, Cela fait mais... maintenant 14 ans, 15 ans bientôt, là. Oui, 15 ans bientôt, oui. OK. 15 ans. Et en 15 ans, combien de fois êtes-vous allé au Cameroun? En 15 ans, techniquement, j'ai allé au Cameroun une fois, ça c'est la moyenne, ça c'est la moyenne, une fois et demie par an. Une fois et Il y demi. avait des années où je partais, je me rendais au Cameroun deux fois par an. Il y avait des années où je me rendais au Cameroun une fois par an. Mais techniquement, j'y allais chaque année. Quand avez-vous changé de nationalité? J'ai changé de nationalité en 2011, lorsque pour avoir beaucoup plus de facilité de travail, parce qu'avec le passeport camerounais, nous avons souvent eu des soucis à aller travailler, comme mon dernier poste que j'occupais en Corée du Sud. Pour être permis d'y aller, c'était un peu difficile avec le passeport camerounais. Et avec le passeport canadien, c'est allé tout d'un coup. Richard Bonan en sait quelque chose. Peut-être, oui. Nous le saluons. Hey, Richard, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Bon, alors, ça fait 10 ans que vous êtes Canadien. Vous retournez régulièrement au Cameroun. Lorsque vous y retournez, où est-ce que vous prenez votre visa? En fait, quand je retournais au Cameroun, parce que j'étais très mobile, il y avait des moments où ou bien le souci de se rendre au Cameroun me prenait lorsque j'étais en transit. Peut-être si j'ai occupé des fonctions, par exemple, au Congo, au Gabon, et lorsque je quittais le Gabon pour entrer au Canada, il se trouvait par moments que je devais faire un stop au Cameroun pour soit rencontrer de la famille, soit rencontrer des amis, ou bien soit travailler sur des projets que j'avais en stand-by là-bas. Et sur ce, régulièrement, moi, je prenais mon visa à l'aéroport parce qu'on me l'avait dit et il y avait tout d'abord, on m'a expliqué la procédure et cette procédure, je l'appliquais constamment pour pouvoir avoir le visa d'entrée à partir de l'aéroport. Alors, c'est arrivé combien de fois? Combien de visas vous avez obtenu dans un aéroport camerounais? J'ai eu 17 visas dans Dans mon un passeport. J'ai aéroport eu 17. camerounais? Dans mon passeport canadien, j'ai eu 17 visas. Oui, 17 visas, mais on peut prendre le visa au Canada, à l'ambassade du Cameroun, ou bien à l'aéroport au Cameroun. Combien vous avez-vous pris à l'aéroport, dans un aéroport camerounais? Je vous dis, j'ai pris 17 visas dans un aéroport camerounais et j'ai pris un seul visa dans une ambassade camerounaise. C'était au Gabon. Très bien. Ce qui est formidable, car je me suis vu refuser le visa pour aller au Cameroun, à l'ambassade du Cameroun au Gabon. On m'a dit que ce n'était pas mon pays de résidence, il fallait retourner à Paris. J'ai un jour pris un vol le matin, venir à Paris, prendre un visa et prendre un autre vol le lendemain pour aller au Cameroun. Ne Ben cherchez dis-moi, pas. ça je... Ne cherchez pas à comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas au Cameroun. Bon, il est arrivé qu'on me le refuse même une fois d'ailleurs. Hein, moi, enfant de Bokada, comme vous le savez, dans Nounakim. Dans la même ville, voilà. Alors, il y a quelques jours, vous êtes rendu au Cameroun. Vous n'étiez pas seul dans l'avion. Il y avait un ou une autre personne d'origine camerounaise, de nationalité canadienne, avec vous. Cette personne a obtenu son visa à l'aéroport sous vos yeux, et vous avez été refoulé et rapatrié. Racontez-nous votre histoire, s'il vous plaît. En fait, merci déjà de me prêter la parole pour ce cas qui m'a réellement traumatisé parce que je me suis retrouvé dans des couloirs, j'appelle ça des couloirs de la mort parce que je n'avais jamais espéré vivre ce genre, un pareil cauchemar dans ma vie. Je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé. En effet, j'étais ici au Canada, je préparais mon voyage pour le Cameroun parce que c'était beaucoup plus un voyage d'affaires parce que nous étions, ma compagnie, et mes partenaires, nous étions sur un projet d'établissement en Afrique centrale. On avait des projets en Afrique centrale où il fallait qu'on vienne et planter une base. Et là, on avait le choix, soit d'implanter cette base au Gabon, soit d'implanter cette base au Tchad. Mais moi, j'ai préféré pousser mes partenaires, les convaincre à ce que nous puissions l'établir à Douala, parce que pour moi, Douala représentait un hub. C'était beaucoup plus facile de partir du Cameroun pour le Nigeria, pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique centrale, ça découvrait toutes ces zones. Voilà que nous avons entrepris descendre au Cameroun pour pouvoir implanter cette structure. Et j'ai essayé de contacter l'ambassade pour avoir le visa. L'ambassade était fermée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas joindre l'ambassade pendant 2 mois. Du Cameroun à Ottawa, au À Canada. Ottawa, a été fermée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les joindre. C'est vrai, j'ai vérifié cela en plus. Oui, et voilà que
J'ai pris la résolution sur moi de contacter mes personnes au Cameroun pour qu'on me prépare des documents qui me permettront, puisque comme j'ai l'habitude de faire, qu'on me prépare ces documents qui me permettront de prendre le visa à l'entrée à l'aéroport. Et ils me les ont préparés, ils me les ont envoyés, ils ont scanné, ils me les ont envoyés. Et j'ai entrepris sur moi le fait de partir au Cameroun avec comme idée de prendre le visa à l'aéroport. Et ça, c'était le 28 décembre 2020. Je me fais contrôler par Air France en ici au point d'embarquement à Edmonton dans ma ville. Ils contrôlent mes documents, ils mettent sur la carte d'embarquement qu'ils ont contrôlé les documents et que les documents sont OK. J'arrive à Toronto, je repasse encore un deuxième contrôle où on marque sur mes documents que mes documents d'entrée d'obtention de visa au Cameroun sont OK. Et également, mon test COVID était OK. Et il fallait juste remplir un document sur l'honneur que, en fait, qui était un document qui allait te permettre de transiter par Roissy Charles de Gaulle. C'est un nouveau document qu'ils ont introduit. Voilà que je me rends, on prend le vol, on arrive au Cameroun à Douala le soir du 28. Et juste à la sortie du vol, avant, puisqu'on nous a dit qu'on avait imposé les tests COVID maintenant à l'arrivée à Douala, ça je ne le savais pas. À la sortie du vol, on nous contrôle nos passeports et voilà que il y a un policier, je pense c'est un inspecteur hein, ou un inspecteur principal. Il avait 3 étoiles brillantes, pas brillantes en argent. Inspecteur Il prend, principal, je crois. ouais, il prend mon passeport et il me dit que j'ai pas de visa. Et je lui dis, écoute, moi je dois prendre de visa ici à l'aéroport. Il me dit c'est interdit et là vous devez rentrer. Pendant ce temps, quand il me contrôlait, il y a également une autre jeune dame qui était à côté de moi. Je ne sais pas si elle peut me permettre de donner son nom, mais bon, si Donnez vous juste son voulez. nom de famille, pas son prénom. Oui, elle s'appelait Ngidjol, puisque j'ai retenu son nom lorsque on parlait. Et effectivement, ce policier nous dit qu'il nous remet dans le vol, on repart. Je prends maintenant sur moi de décrocher mon téléphone, d'appeler ma famille, leur expliquer que, puisque ma famille, entre-temps aussi, mon voyage au Cameroun avait aussi une connotation familiale, hein, on était en fin d'année là, où je devais rencontrer ma famille, Bien sûr, bien sûr. tout, ouais, toute ma famille là-bas, et on avait une très grande assise familiale aussi. Voilà que j'arrive, je prends sur moi le fait d'appeler les membres de ma famille et appeler certaines connaissances qui sont aussi de la police, qui sont des hauts gradés de la police pour leur expliquer c'est la mésaventure que je suis en train de vivre. Il y a un de leurs qui me dit, non, écoute, on donne toujours le visa à l'aéroport. Je ne sais pas qui vous a dit qu'on ne donne pas le visa à l'aéroport, on donne toujours le visa à l'aéroport, mais c'est soumis à des règles qui ont changé. Et j'ai dit à ce policier qui m'a arrêté que est-ce que je peux parler au commissaire? Parce que je ne peux pas entreprendre 2 jours de voyage. Arriver au Cameroun, et me refaire refouler comme un malpropre. Je lui ai demandé, je lui ai dit que, écoutez, monsieur, je ne saurais monter dans le vol, je voudrais parler au commissaire de l'aéroport juste pour lui expliquer que j'avais l'habitude de prendre le visa à l'aéroport et si à jamais les conditions changeaient, qu'on essaie de faire, d'examiner mon cas et on me donne un recours. En fait, on regarde s'il peut pas avoir un recours gracieux pour que je puisse séjourner sur le territoire camerounais et si à jamais. Ce recours gracieux ne m'est pas offert. Peut-être avec la prochaine, en fait, avec le prochain vote, je pourrais rentrer. Mais que cela se passe dans les règles de l'art. C'est ainsi que ce policier prend son téléphone, il rappelle son commissaire et il dit carrément au commissaire que j'ai refusé d'embarquer, que le vol est parti. Et là, sur le champ, ils prennent sur eux la responsabilité de dire qu'ils vont m'écouter, ils vont m'entendre. Ils ont encore ce procès-verbal à l'aéroport. C'est le procès-verbal d'audition. Où ils voulaient me faire accepter certains trucs en disant que j'ai organisé une rébellion à l'aéroport. Vous êtes devenu Mamadou Mouta, là. Je ne sais pas. Je ne sais Là, on pas. a Et créé une surtout rébellion. que je suis apolitique. Surtout que la politique et moi, ce n'est pas trop bonne affaire. Ils ont dit que j'ai organisé une rébellion. Ils ont dit que j'ai fait des troubles des services publics où j'ai demandé de merde. D'où sortent tous ces motifs? Et ils ont dit que j'ai eu un défaut de visa. Je leur ai dit que non, permettez-moi, je veux m'exprimer. Je suis un citoyen, je suis un homme normal, je ne suis pas un brigand. Permettez-moi. On arrive maintenant au poste lorsqu'on m'a entendu et j'ai carrément dit maintenant, c'était un officier qui m'interviewait là-dessus. Il avait 2 étoiles en or. Et je lui ai dit, écoute, tout ce que vous allez écrire,
Vous allez l'écrire, mais moi, je voudrais aussi, je tiens à ce que vous écrivez mes réponses, parce que je ne saurais signer ce document tant que vous n'aurez pas écrit ce que j'ai répondu. Il a fait ce procès-verbal, il m'a donné, il a signé. Après, il me dit, c'est là où il me notifie que je suis en garde à vue. Je lui dis, tiens, je suis en garde à vue, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, mais monsieur, vous serez en garde à vue. Dans ce cas, nous étions deux. Je m'attendais à ce qu'on prenne aussi la jeune demoiselle, on l'amène avec moi et qu'on nous dise que nous sommes en garde à vue. Mais malheureusement, la demoiselle, on lui a donné. Puisque elle, je rappelle que cette demoiselle n'avait même pas les documents que moi j'avais apprêtés. Elle n'avait que son acte de naissance, d'après ce qu'elle m'avait dit. Qu'elle n'avait que son acte de naissance qui prouvait son origine camerounaise. Moi, j'avais toute une pile de documents que j'avais préparés et que je m'étais mis prêt à fournir aux autorités de l'aéroport pour qu'on puisse me donner le visa. C'est ainsi qu'ils m'ont pris et ils m'ont emmené à la PJ où j'ai passé 3 jours de cauchemar. J'ai dit bien 3 jours de cauchemar. Je n'avais jamais imaginé passer par un moment dans ma vie. Et après avoir passé ces 3 jours de cauchemar, on me retire encore, on m'extirpe de la PJ. Après l'intervention, parce que ma famille a eu à contacter aussi certaines autorités pour voir plus clair là-dessus. Et les autorités, et c'est de là où je salue aussi la bravoure du commissaire divisionnaire de la PJ qui est venu aussi, qui a intervenu favorablement pour mon cas, et qui a demandé également qu'on me sorte de la cellule qui était vraiment, vraiment infeste et qu'on me mette beaucoup plus au poste, parce que là, c'était un peu beaucoup plus vivable. Et également le procureur aussi qui a intervenu. Et je tiens à rappeler que je ne les connaissais pas. Je les connaissais du tout pas. Le procureur de Douala, hein? Le procureur de Douala et Le le comité commissaire, je les divisionnaire connaissais de du tout pas. l'aéroport. Ils ont intervenu à ma faveur, Je ils vous ont remercie demandé. parce qu'ils ont quand même. Attendez, qu'on arrête quelqu'un, qu'on le mette en garde à vue pour de tels faits, c'est hallucinant. C'est très hallucinant, surtout qu'on ne veut même pas regarder tes antécédents. On ne veut pas contrôler. Je comprends qu'aujourd'hui, le Cameroun a des troubles, le Cameroun a des soucis de sécurité et tout, mais de grâce qu'on puisse prendre des gens à l'entrée et qu'on essaye de comprendre, en fait, d'analyser qui ils sont, de les contrôler, de discuter avec eux, de voir exactement ce qu'ils sont avant de pouvoir les qualifier. Donc, c'est comme ça que j'ai passé 3 jours de cellules qui étaient vraiment des. C'était pour moi le pire cauchemar, j'ai dit bien le pire cauchemar que j'ai jamais vécu dans ma vie. J'ai dit bien le pire des cauchemars que j'ai jamais vécu dans ma vie. On m'extirpe de la cellule en ce moment, on m'amène à l'aéroport et c'est là où je vais au service des bagages, là. Je récupère les bagages avec lesquels je suis venu et je les réembarque. Hein. Je vais au check-in, là, je les réembarque pour le Canada et je leur ai même demandé que je voulais prendre une douche parce que vraiment, j'ai fait 3 jours sans me laver, hein. Sans prendre de douche. Et 3 jours étant hyper sale. Jusqu'à là, j'ai pas eu de suite favorable. C'est à Paris que j'ai pu avoir ma première douche. Un premier lavage. On vous a donc expulsé du Cameroun. On m'a expulsé du Cameroun. Et le comble, c'est que, je vais vous expliquer ce qui m'a encore le plus choqué. C'est que j'arrive à Paris, la PJ de Paris, de l'aéroport Rassi Charles de Gaulle m'attend, Frontière, puisque alors aussi. j'étais une personne expulsée. Et en fait, on a dit dans le vol, que quand on a atterri à Paris, on a appelé mon nom, on a dit que je suis appelé à rester sur mon siège et une hôtesse viendra vers moi. Je suis resté à mon siège et voilà, quand le vol s'est vidé, l'hôtesse est venue me dire, monsieur, prenez vos affaires et venez. Et suivez-moi. J'étais en première classe, en fait. Hein. Je partais en affaires au Cameroun. Je suis cette dame et c'est la PJ de Roissy Charles de Gaulle qui m'accueille. Et je les suis. Quand ils m'amènent dans leur poste de police, il y a un monsieur qui prend mon passeport, il remet au commissaire. Parce que je pense que c'était un commissaire parce que j'ai vu tout le monde lui donner le café là-bas, tout le monde l'appelait monsieur le commissaire. Il prend mon passeport, il regarde et il me dit, vous êtes né au Cameroun? Et il me dit, c'est la première fois de sa vie de voir qu'on expulse un natif du Cameroun hors du Cameroun. Et il a demandé que, est-ce que vous ne faites pas la politique? Je lui ai dit, non, je suis apolitique. Bon, la politique, ce n'est pas mon fort. Peut-être demain, qui saura, mais j'ai dit, maintenant, la politique, ce n'est pas mon fort. Et il a pris sur lui la résolution d'aller à Air France
fait en sorte qu'on retire la mention expulsée sur mon billet. Il a demandé à un policier de m'accompagner dans le lounge Air France, dans le lounge VIP. Et ce policier était tellement courtois et bien respectueux à mon égard que j'ai fondu en larmes dans mon cœur. J'ai dit, chez moi, d'où je sors, où je partais créer de la valeur ajoutée, Et des je suis emplois. créer des emplois. On me prend, on me torture. Et c'est en France que je reçois tout le respect qui est dû à un citoyen, à un être humain. J'ai dit, non, mais là, on a touché le fond. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être les autorités camerounaises pourront revoir cela et revoir comment ils doivent traiter la diaspora qui est venue. Et la diaspora de, pour, en fait, dont ils font appel chaque jour. Oh, la diaspora. Vous avez dit la diaspora? Oui, mais puisqu'on me considère de la diaspora, les policiers, Elle n'est bonne que pour envoyer de l'argent. je ne peux pas vous dire, c'est que les propos de ces policiers à l'aéroport qu'ils tenaient à mon égard, je ne peux pas vous le dire. C'est-à-dire que j'étais stupéfait, j'étais terrifié en fait. J'ai dit, je ne sais pas, ce truc-là, ce scénario dénotait d'un truc comme s'il y avait peut-être une rancœur, comme s'il y avait peut-être, quels sont même les propos que je peux utiliser ici, comme s'il y avait peut-être cette mauvaise pensée On va que, le dire. quand ces gens, oui, quand ces gens vis-à-vis de ceux qui prétendent venir au Cameroun opérer, faire quelque chose. J'ai pris la peine de leur expliquer que, écoutez, je n'ai pas pu avoir le visa si même j'ai essayé de suivre les procédures normales, contacter l'ambassade était fermée. Je voudrais parler à ce commissaire. On me dit non, que je ne peux pas parler au commissaire. Alors qu'à Paris, je parle directement au commissaire. Est-ce que je pourrais peut-être exposer mon cas, vous montrer que je suis une personne de bonne foi? Vous montrez que je ne suis pas, si peut-être si vous ne voulez pas des politiciens, je suis hors de la politique, vous montrez que je viens au Cameroun parce que j'ai un souci de vouloir établir quelque chose qui pourra aider, puisque c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ce que tout pays normal veut. Moi, j'ai eu ces avantages parce que le Canada m'a aidé. Et je voudrais aussi le retransférer maintenant au Cameroun. Si vous savez le nombre d'intellectuels camerounais, d'inventeurs camerounais qui aimeraient, je vous donne un petit scoop. Lorsque vous m'avez contacté il y a 2 jours, je vous ai demandé de suivre l'émission avec Séverin Kézeu. Vous avez eu le temps de suivre? Si, si, je l'ai suivi. Vous savez combien il a voulu injecter au Cameroun, investir au Cameroun il y a 11 ans? Il n'a Non, plus non, non, dites-le-moi toujours, peut-être ça me fait. 1,5 milliard de francs CFA. Il a dû repartir. Séverin Kézeu, quand même l'inventeur du système anti-collision de tout Si, 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 je le connais. matériel mobile. C'est le seul au monde. Il a inventé en étant Camerounais à l'âge de 22 ans et demi. C'est un génie. Il vient d'inventer Kaizen, le lancement va avoir lieu dans quelques jours. Kaizen est au-dessus de Google. C'est implanté à la Silicon Valley. J'étais à Dubaï faire un reportage sur lui il y a 3 mois. Ce monsieur n'a pas pu investir au Cameroun. Jean-Emmanuel Foumbi s'est retrouvé emprisonné au Cameroun 1 an et 8 mois. Il a fallu l'intervention du président de la République française personnellement, François Hollande, pour que Jean-Emmanuel Foumbi, qui soigne encore ses souffrances et maladies depuis qu'il est sorti de là en France. Des cas comme les vôtres, ben je vais même vous dire maintenant, les téléspectateurs ne le savaient pas. J'ai été séquestré au Cameroun il y a 15 ans. Passeport retiré de 48 heures parce que je tournais un documentaire. Bon, c'est pas propre au Cameroun, c'est les téléspectateurs. Hein. Au Gabon aussi, en 2013, j'avais été séquestré. Il avait fallu l'intervention de Laurent Fabius, de François Hollande, qui ont réveillé Ali Bongo pour que je sorte de là. Donc, on a l'impression que toute l'Afrique noire francophone fonctionne comme ça. Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible, faut vraiment le signaler, c'est vraiment terrible. Et comme je redis encore, le Cameroun aujourd'hui est sous une mauvaise pente sur le plan économique et le Cameroun ne saura se refaire sans ses enfants. Et si, comme je l'ai dit à certains policiers à l'aéroport, parce que c'est eux avec qui je discutais le plus, je n'avais pas accès à ma famille, je n'avais pas accès à des amis, je n'avais accès à personne, je leur ai dit qu'écoutez, nous ne sommes pas des ennemis du pays, nous sommes vos frères. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Plein d'entre vous, même certains officiers certains grands officiers de la police camerounaise, sûrement sont de ma génération, sont des personnes avec qui nous avons cheminé, que ce soit
au CS, que ce soit à l'école du centre, que ce soit au CS de Lixionneau, que ce soit au lycée Leclerc, où j'ai fait mes études, je ne pense pas qu'aujourd'hui je peux me constituer en un ennemi du pays. Surtout que nous sommes sortis, nous avons pu avoir quelque chose de grand que peut-être on n'a pas eu au Cameroun et nous voulons le ramener au Cameroun. De grâce qu'on nous facilite cette tâche-là. Donc, fait toute diaspora. Si Israël est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que la diaspora juive a fait d'Israël ce qu'il est. C'est une réalité. Je dis qu'on. Et aujourd'hui, je vais vous dire, M. Jacques Morfo, je ne peux pas estimer ce que j'ai perdu en termes d'argent avec cette mésaventure de l'aéroport. Parce que de suite, mes partenaires m'ont directement dit que, écoutez, M. Yapi, on vous avait dit que le Cameroun était à risque. Et vous avez insisté à y aller. Et vous qui êtes natif du Cameroun, on vous traite comme ça là, combien de fois nous? Ça, c'est deux de mes partenaires qui m'ont dit. Un est basé à Dubaï. Je ne donnerai pas son nom pour une mauvaise publicité. Et je ne donnerai pas le nom de la compagnie avec laquelle on devait merger pour pouvoir venir mettre sur pied cette structure au Cameroun. Et avec ça, moi, je leur ai dit, et aux policiers, je lui ai dit que pas plus tard que mars 2020, je suis entré au Cameroun avec un visa pris à l'aéroport. Vous me dites qu'on ne donne plus le visa à l'aéroport, que ça fait presque plus de 2 ans. Je leur ai dit que non, regardez mon passeport, c'est pas moi qui fabrique ces cachets. Alors, on va essayer de comprendre. Vous naquîtes à Yaoundé, vous avez fait vos études à Yaoundé, vous y avez grandi, vous avez fait la fac. Avez-vous jamais appartenu à un syndicat étudiantin? Non. Jamais. Avez-vous jamais adhéré à un parti politique au Cameroun? Non. Bien. Vous êtes au Canada, on sait que ces dernières années, ces 3 dernières années, la diaspora camerounaise est en ébullition et rejette le régime en place au Cameroun. Il y a des manifestations ça et là, j'ai été au Canada, aux États-Unis, j'ai été partout en Belgique, en Suisse, en France, couvrir cela. Êtes-vous membre de la brigade anti-Sardinard? Non. Êtes-vous membre du MRC? Non. Vous êtes-vous jamais inscrit dans un parti politique dans la diaspora? Que ce soit le RDPC, que ce soit le MRC, que ce soit... Il y a encore quel parti? Je connais, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, le PCR, c'est le PCR. PCR, vous n'êtes pas quoi? Je suis quasiment apolitique. Je dis bien quasiment apolitique. Et j'avais pris cette tendance. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je suis appelé à travailler avec tout le monde et que la politique divise. Mais par contre, je suis de ceux qui pensent qu'on a beaucoup de points où on peut améliorer au Cameroun et il faudrait qu'on travaille. Et avec la rigueur que j'ai dans les rencontres avec des amis, je leur dis, écoutez, je ne passerai pas, je ne permettrai pas ce laxisme. En fait, je suis très rigoureux dans ce que je fais. Et je leur dis, écoutez, il y a des choses que je ne permettrai pas, je n'accepterai pas. Et si peut-être, en condamnant cela, ça va à l'encontre ou bien ça me donne une connotation être d'un parti politique, je dirais oui, j'accepte en ce moment. Mais je dis bien, je n'ai jamais eu une carte d'un parti, que ce soit du RDPC, du MRC, du SDF, oui, c'est ce nom que je cherchais, et tout autre parti. Ne vous inquiétez pas, vous aurez été membre du RDPC, vous serez rentré au Cameroun sans papier, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je ne sais même pas pour demain que je serai membre du RDPC. Hein. Je le dis, je prends sur moi la responsabilité. Voilà. Alors, il nous reste une piste. Madame Guidjol, qui n'avait pas tous les documents qu'elle avait, n'avait que son acte de naissance. Vous aviez plus que votre acte de naissance. Elle exact. A pu avoir un visa à l'aéroport au Cameroun pour rentrer au Cameroun. Exact. Oh. Yapi, vous n'êtes pas entré. Vous êtes de quel village là? Vous avez dit toi que je suis Yaoundé. Attendez, moi aussi, Madame Vogada. Mais désormais, on a créé la Lugena et l'autochtona au Cameroun. Donc, on peut naître à Yaoundé comme vous et moi, sans être Yaoundé, vous ne serez jamais à Yaoundé, ni moi. Ni même mon ami Joël Diengo qui est boulou, il ne sera jamais à Yaoundé. Donc, vous, ouais. Votre village d'origine, vos parents venaient d'où? Mes parents venaient de Bafang. Bafang, oui. C'est le Bamileke. Si vous pouvez le dire, oui. Ah, vous suivez mon regard, chers téléspectateurs. Je n'ai rien contre l'individuel. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai passé mon après-midi avec M. Bell, le grand frère de Joseph-Antoine Bell. Nous avons mangé ensemble. Nous sommes le 13, samedi 13 février 2021. J'ai passé mon après-midi dans la famille de Joseph-Antoine Bell. Je lui ai même envoyé les photos cet après-midi. Donc, je n'ai rien contre les Bassards. Donc, Mme Guidjol qui est Bassa,
a pu entrer sans avoir tous les documents, que c'est bien pour elle. Mais vous, enfant bamiléké, vous avez été bloqué dans le même aéroport alors que vous n'êtes pas en politique. Vous n'avez, même si vous étiez en politique, on peut être en, on a le droit de militer dans un parti politique et rentrer dans Tout son à pays fait, tout à en prison. fait. C'est même ce que je voulais dire à la fin aussi, On hein, a le parce que je droit. disais qu'on ne peut pas me retenir le droit d'appartenir, mais c'est une décision personnelle que j'ai eu à prendre. Parce que, comme je disais, la politique divise. Et pour moi, qui suis dans le monde des affaires, pour moi qui suis dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut trouver des bons éléments partout, comme on peut en trouver des mauvais éléments partout. Donc, pour moi, je vais avoir la liberté d'y aller, d'aller partout, prendre les gens au lieu de me circoncire, au lieu de me restreindre. Et pour revenir au fait qu'on m'a bloqué l'entrée, pour moi, je redis encore que si au moins je restais au niveau de l'aéroport, ça allait être compréhensif. Mais aller me mettre dans une cellule, alors que je n'ai jamais fait de cellule au Cameroun, dans une cellule infeste, où on était quasiment plus de 100 dans cette cellule-là, ils appelaient ça le Kosovo à la PJ. J'ai dit, bien, je respecte encore ce monsieur qui est venu, qui est le commissaire de la PJ, qui est venu, il m'a vu. Il a dit, écoutez, ce monsieur ne saura rester là-bas parce qu'il n'est pas un délinquant. Mettez-le au poste. Ça, pour moi, c'était infernal. Je dis bien infernal, ce truc. Vivre cela, c'est vraiment infernal, je dis. Il y a Wilfried de Sioué qui est aussi bafant comme vous. Vous avez entendu parler de lui? ce sont des amis. Quand j'ai raconté mes aventures, Oui. c'est un ami qui m'a dit que, écoute, tu as failli passer d'un doigt là. Allez, tu as failli passer Le bafon d'un a doigt. failli remplacer un autre en prison. Exactement. Ouais. Il dit que tu as failli. J'ai dit, mais failli, quand il me dit qu'il y a un Allemand, il travaille à Siemens. Je ris, mais vraiment, c'est. Oui, ingénieur. On l'a arrêté. Il allait en vacances au Cameroun avec femme et Nous enfants. tous, hein? On l'a Oui. arrêté. On l'a mis en prison 2 ou 3 années parce qu'il avait sur lui le livre. Il l'aurait eu sur lui le livre de Maurice Kamto. On l'a arrêté. On l'a mis en prison. Mais vous n'avez pas un livre sur vous qui peut déranger? Vous Non, en non, non, puisqu'ils n'ont pas, trouvez ils n'ont pas fouillé mes affaires. Ils n'ont pas fouillé mes affaires. C'est. vite. Il voit, mais à travers dans vos sacs à travers sans l'ouvrir. Peut-être ce qu'ils ont fait, ils ont vu, ils ont ouvert mon passeport. Ils ont dit que bon, celui-ci est directement condamnable. Je ne sais pas. Mais je dis bien, c'est à tort si c'est comme ça qu'ils ont fait. Et si à jamais ils ont changé des règles, et ça, je le dis encore en étant beaucoup plus professionnel, s'ils ont changé des règles et que le Cameroun n'admet plus qu'on prenne des visas à l'aéroport, de grâce qu'ils updatent leur site web, qu'ils updatent les ambassades et qu'ils updatent les compagnies aériennes. Puisque si Air France m'a laissé voyager avec les documents que je leur ai présentés, ça veut dire qu'ils étaient encore au courant que cette pratique existait et que cette pratique existe encore. Parce que non seulement en billet d'avion, j'ai payé et j'ai beaucoup perdu de l'argent. En temps, j'ai perdu de l'argent. Et même j'ai mis ma santé à risque parce que me mettre, surtout en ce moment de pandémie, on me met dans un endroit où on est presque 100, 100, 150, je ne sais même plus combien on était, on me met là-dedans. Les risques sont très grands. Les risques sont très grands. Surtout pour nous qui n'avons pas eu à fréquenter ce genre de milieu. Et en plus, on vous met avec des gens qui ont des passés douteux. Moi, je ne sais pas. On pourrait me poignarder là-dedans. Je ne sais pas. J'ai mis ma vie à risque, en fait. Tu pourrais être là avec des gens qui ne maîtrisent pas leur historique médical. Quelqu'un peut avoir la tuberculose, quelqu'un peut avoir je ne sais pas quoi. Et vous vous mettez ensemble, on t'oblige à aller ensemble avec des gens comme ça. Et je tiens à vous dire, et je remercie aussi également le personnel du consulat du Canada au Cameroun qui ont œuvré. Ils m'ont appelé au moins 17 fois le jour où j'ai été joignable, où ils disaient qu'il ne faut pas que je voyage, que je rentre, malgré que les policiers de l'aéroport étaient extrêmement nerveux que je rentre. Ils ont dit, pour eux, c'était tout ou rien. Je devais rentrer dans le vol. Le consulat du Canada m'a contacté. Ils m'ont dit, monsieur, vous devez faire un check-up avant de rentrer. Parce que vous êtes une personne à risque, présentement. On ne connaît pas ce que vous avez eu là-bas. Et on doit vous faire un check-up. Et pour votre sécurité également. Parce qu'il faut qu'on se rassure que vous êtes bien portant. On se rassure que vous n'avez pas eu quelque chose là-bas. Et c'est cette chose que j'ai eu à faire parce qu'ils me l'ont prescrit là-bas au Cameroun. Quand ils ont voulu parler au commissaire, on m'a dit non, le commissaire est joignable. J'étais à l'aéroport, ils m'ont appelé sur le téléphone. Quand j'ai eu mon téléphone, ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous passer le commissaire? J'ai dit, je suis allé demander si je pouvais en fait, passer l'appel. On m'a refoulé, on m'a dit, monsieur, dégagez, allez vous asseoir là où ils ont un banc là qu'ils appellent le banc
des personnes prisonnières, je ne sais pas, à l'aéroport. Ils ont un endroit qu'ils appellent le banc des prisonniers, que j'aille m'asseoir là-bas. Et c'est là où le monsieur du consulat m'a dit, de toutes les façons, nous, on sait comment on peut faire pour les joindre. Et je pense que peut-être ils ont essayé de le joindre, ils n'ont pas pu. Parce qu'eux, ils insistaient que je fasse un check-up à Douala avant de remonter dans le vol pour repartir. Ils Finalement, insistaient. on vous a remis dans un vol Air France sans check-up, donc vous auriez contracté le Covid dans cette cellule, vous auriez contaminé tout un avion. Mais Tout Air à France fait. aurait dû refuser de vous prendre aussi, non? Oui, c'est là, je ne sais pas, il y avait tout un ensemble d'éléments qui étaient tout brouillés là, moi je ne sais pas. Et moi, étant au milieu, j'étais comme ce pion que les personnes qui ont des ressources étatiques utilisaient pour damer, pour taper dessus et va là-bas, fais comme ça, parce que c'est eux qui avaient la force. J'aurais dû, comme vous le dites là, j'aurais dû avoir le COVID que j'aurais dû en fait le transmettre à tout le personnel de l'avion. L'avion. J'aurais dû avoir le COVID que j'aurais dû mettre tout l'aéroport aussi Charles de Gaulle en l'air. Et même pour prendre la douche, je leur ai posé la question, je veux prendre une douche. Montre-moi une douche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont emmené dans les toilettes, c'était les toilettes handicapées. Ils m'ont dit, écoute, il y a le lavabo, là où il y a le lave-main, là. Bouge ça, ouvre l'eau et tu jettes l'eau sur toi, sans savon. C'est vraiment pathétique. Et comment on se fait traiter dans son propre pays? Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai eu la nationalité canadienne, je veux bien, mais je continue toujours à dire, je suis Camerounais dans l'âme. Personne ne saura me l'enlever. Même pas, je voudrais dire, même pas le premier des Camerounais, il ne peut pas m'enlever cela. J'adore le Cameroun. Le Cameroun respire en moi. Le Cameroun vit en moi. Le Cameroun, c'est ce sang qui circule dans mes veines. Vous êtes nombreux qui avez fini par me suivre. Moi, je me décris désormais comme un franco-bamiléké, car mes ancêtres bamilékés ne vont jamais me rejeter. Seules les autorités actuelles me rejettent. Je n'ai pas de passeport camerounais comme vous. Pourtant, tous ceux qui ont joué en équipe nationale du Cameroun et qui ont remporté les trophées, j'ai joué avec eux dans l'enfance sur les mêmes terrains, dans les mêmes équipes. Le premier d'entre eux s'appelle Samuel Eto'o. Il a un passeport camerounais et un passeport européen. Mon grand. C'est justement un problème sur lequel je pense que le régime en place doit se pencher. Ils doivent regarder cela et ils doivent voir comment Je ils peuvent. pourrais faire croire. Même si je dis que le Cameroun a les problèmes de sécurité, ils doivent peut-être mettre des filtres, savoir comment distinguer. C'est comme ils disent là, que la bonne diaspora et la mauvaise. Je ne sais pas. Je suis stupéfait qu'on puisse empêcher un Camerounais de rentrer chez lui. Et pour moi, je dirais toujours, si je me sens Camerounais, je me trouverais en mal d'aller détruire ce pays. Sortons un peu, même si chers téléspectateurs, c'est hallucinant, sortons un peu de l'émotion. Maintenant, vos partenaires ne vont jamais plus vouloir entendre parler du Cameroun. Où comptez-vous installer la base de votre société? Dans quel pays le Cameroun? Nous étions en train de parler soit le Nigeria, à Port-à-Cor, soit le Gabon. Mais je suis en train d'entrevoir relancer un voyage en Afrique pour essayer de voir. Parce que, en fait, nous avions eu des propositions pour couvrir toute l'Afrique centrale avec ExxonMobil, avec Perenco, avec Adax, avec toutes ces compagnies. Et ils sont installés dans la sous-région et nous étions beaucoup plus prompts à vouloir installer cette compagnie au Cameroun, parce que le Cameroun est vraiment favorable, c'est très bien placé. Mais comme je dis, nous sommes en train de regarder le Nigeria et nous sommes en train de regarder le Gabon. Plus jamais le Mais, Cameroun, quoi. non, j'ai dit nous sommes en train de regarder, mais je dis encore que je continue à forcer. Je vais forcer, je vais encore parler. Je vais d'ici peu repartir à Dubaï quand les trucs du Covid vont s'améliorer. Je repartirai à Dubaï, rencontrer mon partenaire. Et pour discuter et pour essayer de l'amener à comprendre que c'est juste un incident. Et un incident ne doit pas impacter la fève que nous avons pour pouvoir créer ce truc. Mais le Cameroun continue à être cette plateforme qui nous est favorable pour pouvoir gérer les opérations entre l'Afrique centrale et entre l'Afrique de l'Ouest. Et surtout créer des emplois dans un pays où plus de 60% des jeunes sont sans emploi. Effectivement. Et ça, c'était aussi, comment on peut dire ça? C'était mon rêve. Parce que, comme je dis toujours, le Cameroun m'a tout donné.
C'est au Cameroun que j'ai eu toute ma base, c'est au Cameroun où je me suis élevé, c'est au Cameroun où j'ai eu mon emploi, et c'est au Cameroun où je peux dire, si peut-être on m'a apprécié dans les compagnies où j'ai eu à travailler, c'est au Cameroun où j'ai eu cette bonne éducation Cette bonne formation, en fait. et cette bonne formation. Et c'est maintenant à nous de nous lever et redonner au Cameroun ce qu'ils nous ont donné. Et de grâce qu'on ne nous empêche pas de le faire. Qu'on nous accompagne. Et je peux encore vous dire ici, Monsieur Jackie, hier, j'étais en meeting avec les gars de EDC Canada. C'est ceux qui s'occupent de la promotion des entreprises canadiennes hors du Canada. Ils sont tellement attachés à ce que je réussisse que je dis, pourquoi est-ce que nous, au Cameroun, on ne peut pas accepter? C'est, si je viens là, une entreprise canadienne, je viens là baser au Cameroun, le Cameroun sera beaucoup plus le premier bénéficiaire que le Canada qui est en train de m'accompagner. En effet, vous comprenez pas pourquoi on vous empêche d'investir au Cameroun, en fait. C'est bien ça, hein? C'est comme ça que je résume l'affaire. Oui, c'est bien ça. Mais j'ai dit, moi, la problématique de ce soir, c'était l'entrée au Cameroun. Ce n'était pas investi parce que ça, c'est deux choses. Mais j'ai dit bien que qu'on nous facilite cette entrée au Cameroun et nous, on va se déployer. Et je pense que d'ici peu, ils réussiront à le comprendre parce qu'ils réussiront à comprendre que le seul pilier sur lequel, ou bien l'un des grands piliers sur lequel ils pourront s'appuyer, que le Cameroun pourra s'appuyer, c'est cette diaspora qui est partie et qui a de quoi leur donner Ah, d'accord. pour qu'ils puissent s'élever. Vous êtes très ambitieux, hein, Francis Yapi. Je dis, je continue toujours, ça c'est mon rêve. Je ne Voilà. sais pas si quelqu'un peut me l'enlever, je ne sais pas si quelqu'un peut me l'enlever, mais je dirais encore que pour moi, c'est réellement l'un de mes grands rêves. Si ces autorités peuvent nous permettre, nous faciliter la tâche, d'aller et venir, nous, nous entreprendrons à créer quelque chose de vraiment succinct là-bas et qui nous permettront peut-être d'évoluer. Soit on va commencer et on va aussi affronter d'autres challenges, parce que le premier challenge, c'est l'entrée. Hein. Et maintenant, le deuxième challenge, je ne sais pas encore, je ne le connais pas. Peut-être, Si vous savez. vous pouvez aller là-bas, ouvrir votre entreprise et passons m'a parlé du facteur corruption. Peut-être un inspecteur Oh. des impôts Oula. arrive. Chose que Oula. nous ne connaissons pas ici, quelqu'un arrive là-bas sur ton faciès, on te donne que bon, ça je ne sais pas, je ne peux pas. Il va falloir peut-être que j'affronte maintenant ce challenge-là avant de voir réellement comment faire. Mais pour moi, le premier problème, c'est qu'on nous facilite ces accès, qu'on nous facilite ces entrées au Cameroun. Si votre Vraiment, je ne peux pas. J'ai travaillé dans la sous-région, monsieur Jacques Moifo. J'ai travaillé dans la sous-région, j'ai été country manager au Gabon. Je ne pouvais pas me trouver en train de partir, de traverser le Cameroun, aller au Tchad, là où je partais en meeting, parce qu'on faisait souvent des meetings avec les ministres du pétrole et tout ça, aller en meeting sans m'arrêter au Cameroun. Je dis toujours, c'est là ma terre. Je ne pouvais pas aller en meeting au Nigeria sans m'arrêter au Cameroun. Ça, c'est, pour moi, le Cameroun reste entier dans ma chair, c'est le sang qui coule dans mes veines, en fait. Et moi, je me suis dit, il faudrait que nous entreprenions à travailler pour que le Cameroun puisse émerger. Et pour le faire, il faudrait déjà que ceux qui sont sur place puissent nous donner des ressources, puissent peut-être nous faciliter cette tâche, en nous permettant déjà, en nous facilitant les allées et venues. Et si peut-être le Cameroun, comme ils disent, est à risque, qu'ils essaient d'installer des filtres et qu'ils communiquent suffisamment là-dessus. Parce que tout ce qui est arrivé, si j'avais eu vent on ne prenait plus le visa à l'aéroport et que l'ambassade était fermée, j'allais procéder autrement. J'allais peut-être dire à mes partenaires, écoutez, le Cameroun est fermé et reclus. Écoutez, nous, on va plutôt faire ailleurs. Mais là, à faire du deux poids, deux mesures, j'arrive à l'aéroport, on me bloque, on me met en cellule, on me rapatrie comme un malpropre. Une autre demoiselle, je ne sais pas si elle est demoiselle ou si elle était dame, mais elle n'avait pas d'anneau sur son doigt, donc je présume qu'elle Il était a le même demoiselle. passeport que vous, Elle a le même passeport que moi, même nationalité que vous. la même nationalité que moi. On lui donne un On lui visa. donne le visa qu'elle puisse entrer au Cameroun. Et Elle moi, s'appelait comment? elle s'appelait Guidiol. Ça, c'est le nom. Et vous vous appelez comment? Yapi. Et également, l'autre truc aussi qui m'a fâché, c'est que ce sont ces motifs fallacieux que ces policiers collent à des personnes. Parce que quand le monsieur du consulat du Canada a pu me joindre, et il me dit, monsieur, c'est le bordereau de mise à vue, de garde à vue, sur le papier. Ils disent que c'est écrit là-bas rébellion. Ils me disent que, mais monsieur, et le Canada ne soutient pas la rébellion. Donc, ça dit que si
à jamais vous êtes reconnu coupable d'avoir intenté ce genre de truc, le Canada va quasiment se désengager et ne pas vous soutenir. Il aurait fallu que je prenne au moins 1 heure de temps pour expliquer à ce monsieur que non. On ne saurait parler de rébellion ici, là. Je ne sais pas d'où ça leur sort. Pourquoi est-ce qu'on donne des motifs fallacieux? On dit troubles de services publics. Je suis arrivé à l'aéroport, le vol atterri à 18h. Il y avait quel service public d'abord? Vous a-t-on demandé de l'argent à l'aéroport? Non, peut-être je ne leur ai pas donné cette occasion. Peut-être, parce que, parce que moi, je répondais à l'agent lorsque je répondais à ces questions et je ne regardais pas, je ne faisais pas ces trucs. Et chaque fois qu'il me posait des questions, il ne m'a jamais fait allusion. Il n'a jamais fait allusion. Il vous a longuement posé des questions, je suppose. Oui, ils m'ont longuement posé des questions. Ouais. Et je lui ai même dit. Il fallait comprendre. Regardez sujet MTV+, drôle de contrôle de police. Regardez ce sujet-là. Drôle de contrôle de police, vous ajoutez JMTV plus à la fin, regardez sur YouTube ou sur le site, vous verrez. Oh, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre du Cameroun. Je suis Camerounais, il fallait bien parler. Je ne sais pas. Bon, c'est pas de toutes les façons, le milieu dans lequel je suis, mes valeurs ne me permettent pas de me prêter à ce genre de jeu. Peut-être s'ils viennent me demander ça, je dirais que je ne donne pas et peut-être je serai soit prêt à payer une amende à l'État, ou bien soit prêt à retourner comme il voulait. Parce que franchement, je ne vois pas pourquoi moi, je m'investis à venir au Cameroun et je dois encore retirer ce que j'ai pu travailler, donner à quelqu'un sans qu'il ne le mérite, sans qu'il n'ait jamais eu un payback ou bien sans qu'il n'ait jamais produit un service ou quelque chose qui me permet de justifier ses dépenses. Moi, j'aurais encore préféré mettre des amis comme j'ai l'habitude de faire quand j'arrive au Cameroun. On se met ensemble, peut-être j'offre des biens, j'offre des présents, j'offre des petits trucs, mais venez dire que tu vas donner quelque chose, ça c'est pas bon. Monsieur Yapi, je vous raconte ma propre expérience il y a de cela 8 ans au Cameroun. Hein? Oui. 8 ans. J'arrive au Cameroun, je suis avec une amie qui est gabonaise, le Gabon. Oui. Nous allons à Bouya voir de la famille, on me prête une voiture. Non, on me prête une voiture. Lors de mon retour, j'arrive à cet endroit où on pèse les camions, entre Bouya et Douala. Un maréchal de logis chef, un gendarme, nous interpelle et prend nos passeports. Il y a 2 passeports étrangers. Il y a des visas là-dedans. Il nous dit, où est votre carte de vaccination? Ah, ben vous avez sursauté. Et mon ami à côté qui dit, mais les carnets de vaccination, mais on a laissé dans nos valises, on ne savait pas qu'il faut marcher avec. J'ai la tapote, je lui dis, laisse. Monsieur, vous voulez quoi? Carnet de vaccination? Nous n'avons pas en laissé chez nous. Et dans ce cas, on va vous garder là, on va vous garder là. Et un policier a venu faire le constat. J'ai dit, pardon, un constat? Y a-t-il eu un accident ici? Et même s'il y avait eu un accident, vous, gendarme, vous n'êtes pas habilité à faire le constat? Je sors. Je vais lui montrer ma carte de prêt. Non, je lui dis, monsieur, est-ce que vous avez bien regardé mon passeport? Regardez dans la dernière feuille, c'est dans une housse, mon passeport et ma carte de prêt, c'était au fond. Vous avez bien regardé la dernière page? Il regarde. Je lui dis, voilà ma carte de prêt, je passe ma vie à voyager, je vais de pays en pays. Nulle part on doit demander un carnet de vaccination à quelqu'un, hormis les aéroports et les frontières. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, je vous laisse mon passeport, restez avec, j'ai noté votre nom, son nom était là. Je vais me plaindre à qui de droit et on verra qui de vous ou de moi. Je remonte à la voiture, je démarre la voiture. Il court, il vient. Hey, arrêtez-vous là, ne partez pas. Vous qui venez là-bas, vous êtes toujours comme ça. Tenez, voilà vos papiers. Il balance sur nous dans la voiture. Voilà ce que j'ai vécu en novembre 2012 au Cameroun dans l'axe Douala-Bouya. Vous comprenez ce qui vous est arrivé? Vous aurez glissé un petit billet par an qui vous posait toutes ces questions. Vous aurez été tranquille. Je ne dis pas que j'encourage cela, bien sûr que non. Non, je ne l'encourage pas. J'ai rencontré un autre à Loum. Je partais de Bafoussam pour Douala à Loum. J'avais un chauffeur qui nous conduisait. Celui-là, un inspecteur, a contrôlé longtemps, nous ne disions rien. À un moment, il nous a regardés. Il a dû se dire, ces gens sont trop calmes, il vaut mieux que je n'aille pas loin. Il nous a rendu nos papiers. Après, il m'a dit, vous n'avez pas une bière pour moi, là. J'ai pris de l'argent. 2 000 ou 3 000 francs, je lui ai donné. Je lui ai dit, il vaut mieux demander que de nous emballer comme ça. Donc, voilà, donc, quand vous êtes tombé, je connais. Peut-être, je ne connais plus bien le Cameroun. Peut-être, c'est aussi ça, peut-être, mon défaut, parce que j'ai beaucoup plus évolué ailleurs et
Ma vie professionnelle a été beaucoup plus hors du Cameroun qu'autre chose, parce qu'au Cameroun, toute ma vie était beaucoup plus ma vie étudiantine, ma vie d'élève et mon enfance, en fait. À Tinga, à Koningi, un peu partout dans Yaoundé, ou bien au lycée Leclerc, au CS et tous ces trucs-là. Mais franchement, pour moi, je suis vraiment écœuré d'entendre que j'aurais pu faire ça, parce que pour moi, je redis encore que ce n'est pas des valeurs qu'on doit promouvoir si à jamais on veut tendre vers l'émergence ou bien qu'on veut travailler d'une façon propre. Et L'émergence. pour moi, j'ai toujours ceci en tête, c'est que donnons-nous une certaine discipline, travaillons et soyons clairs dans ce qu'on veut, on aura le résultat à la fin. Et je ne comprends pas pourquoi nous, Camerounais, nous avons beaucoup cette force de pouvoir travailler durement. Et la preuve, ça se voit ici à l'étranger. Rarement, vous trouverez un Camerounais qui est, je ne sais pas, qui est déprimé, qui est dépravé, c'est-à-dire qui ne s'en sort pas. Je dis rarement, peut-être c'est aussi les milieux qu'il fréquente, hein, mais je dirais que au Cameroun, comme ça ne va pas, ils auraient dû travailler sur cela, travailler à permettre qu'on puisse rentrer facilement, qu'on puisse établir des structures là-bas, qu'on puisse travailler avec ceux qui sont restés sur place pour qu'on puisse avancer. Comme j'ai dit encore, Vous c'est avez les yeux comme trop ça que les ouverts. Chinois ont fait, c'est comme ça que les Chinois ont fait, Les Juifs c'est ont comme fait, ça que les les Israéliens ont fait, Chinois, les Arabes, il n'y a que les Camerounais. Non, non, c'est comme ça les que les Sénégalais. Irlandais ont fait. Les Sénégalais. J'étais au Sénégal il y a un an et 2 mois. C'est comme ça les Sénégalais font chez eux, les Maliens. Dans tous ces pays, le Ghana où je vais, le Burkina Faso, tous fonctionnent comme ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on bloque la diaspora dehors, on lui interdit d'investir, on l'emprisonne quand elle arrive au Cameroun. Et lorsque cette diaspora se plaint, on les traite de tous les noms. Voilà, c'est un peu ça. Tout à fait, tout à fait. Parce que franchement, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. J'ai cru lire aussi puisque quand je suis rentré, je me suis un peu penché sur ce cas, je suis rentré un peu dans des trucs pour lire et comme ça. J'ai cru lire qu'il y a la diaspora négative, qu'on dit ceux qui font les casses et tout ça, là, que peut-être je faisais partie d'eux. Et je me suis mis à rire, j'ai dit que mon tête va précieux, que je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller faire une casse ou quoi que ce soit. Mais je dirais aussi que nous allons peut-être continuer à dénoncer comme on est en train de le faire là maintenant, là. Chaque fois qu'on fait face à un challenge, on le dénonce, on travaille pour que ça puisse s'améliorer. Ce n'est pas parce qu'on veut peut-être ternir l'image du Cameroun, mais au moins se alerter les autorités qui sont sur place, là, de voir comment les gens veulent se battre pour pouvoir arriver au pays, faire quelque chose, et qu'eux aussi, ils ont le leur à faire, ils ont leur partition à jouer. Ils doivent faciliter cette tâche. Je ne vois pas pourquoi on nous refuse cette entrée. Ils ont dit certes qu'il faut qu'on prenne le visa, mais si on veut se résoudre à prendre le visa, qu'on nous dise réellement, si c'est à l'aéroport, on peut le prendre. Voilà les conditions, telles qu'on me l'avait dit et telles que ça se passe. Parce que j'ai dit bien, j'ai 17 visas pris à l'aéroport du Cameroun, Au Cameroun. au Cameroun. Si vous voulez le prendre dans les ambassades, voilà comment ça se passe. Et je dis encore, au niveau des ambassades, c'est infernal. J'ai pris le visa au Gabon. Je ne peux pas vous dire, Monsieur Jacky Moifo, le visa du Cameroun est plus difficile à obtenir que le visa des États-Unis. Je vous le dis là déjà. Puisque j'avais du personnel que je voulais envoyer en formation aux États-Unis, pour prendre le visa au Gabon, pour les États-Unis, c'est extrêmement facile. On vous dit que voilà les requirements, voilà la procédure qu'il faut suivre. Vous le suivez et ça marche. Mais pour prendre le visa pour le Cameroun, il m'aurait fallu 4 jours. Étant résident gabonais, étant un haut responsable d'une compagnie pétrolière établie au Gabon, je suis allé à l'ambassade, j'ai dit, bien, j'ai fait 4 jours à Libreville, j'étais basé à Port-Gentil. C'était en quelle année ça? C'était en 2013, entre 2012 et 2013. Donc c'est Samuel Bondoayolo, actuel DCC au Cameroun, qui était ambassadeur. Non, je ne connais pas. Je pense que c'est le consul, là, le premier consul, il s'appelait Issa, Monsieur Issa. Qui Diafaro. d'ailleurs Issa même était aussi très gentil. Hein. J'ai dit bien, il était très gentil, hein, ce monsieur. Diafaro. Je sais qui est Issa Diafaro. C'est un ami, Voilà. j'ai perdu son numéro. On mangeait ensemble, il me rendait visite. Ah, ok. C'est moi, Issa Diafaro, oui, je connais très bien. Ah, ok. Bon, vous voyez que je vous dis, c'était un certain monsieur Issa. À un moment, j'avais une villa au Gabon, donc Issa venait à la maison, Diafaro, j'ai juste perdu son numéro. Je connais Je bien. vous dis, ce monsieur était extrêmement gentil parce que quand je suis allé, j'ai pris sur moi le fait d'entrer à l'ambassade,
dépasser les barrières, là, aller le rencontrer dans son bureau. Il était à l'étage, là. Je suis reparti le voir dans son bureau. Je lui ai dit, mais monsieur, écoutez, vous êtes le premier vice-consul. Ça fait 4 jours que je traîne ici, là, pour avoir un visa pour le... Il m'a dit, non, il n'était pas au courant. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas besoin d'être au courant. Vos procédures, allégez-les. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Oui, Issa Jaffar, vous travaillez bien, je dois le dire ici. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu mon ami. Je regrette si quelqu'un a son numéro, remettez-nous en contact. Issa Diafaro était quelqu'un de formidable, quelqu'un de très ouvert sur toutes les communautés camerounaises, toutes les couches camerounaises. Issa Diafaro, c'est l'homme qui allait d'association de tontine à association de tontine de telle tribu, du clan de telle tribu. Issa Diafaro, c'est quelqu'un qui arrivait chez moi, il mangeait le taro avec moi. Vous voyez un peu l'état d'esprit. C'est ça qu'on veut au Cameroun. En fait. Dehors de l'Issa Diafaro que j'ai connu au Gabon comme bon premier vice-consul, il y avait eu il y a 20 ans ou 22 ans, Jean Koitonga, qui était un très bon ambassadeur, Jean Koitonga. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aurais plaisir à revoir. Voilà, quand quelqu'un fait bien, il faut dire qu'il a bien fait. Et ceux qui tout ont mal fait, ils ont mal fait. Ce n'est pas insulter quelqu'un que de le dire, M. Francis Yapi. Je suis vraiment navré pour votre mésaventure. Hein. C'est vraiment écœurant. Et j'ai dit, c'était vraiment, en cette période de pandémie, c'était vraiment risqué. Moi, je dis, c'est vraiment risqué. Surtout ce pays qui ne veut pas que les gens puissent se comporter n'importe comment, qui font appel à des personnes de bonne volonté, comment elle peut dire ça, de très bons statuts, de venir aider le pays à s'envoler. Vraiment, quand on nous reçoit comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Je dis, c'est très dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi, et c'est que j'avais fait d'aussi cruel pour mériter pareil sort en période de fin d'année. Où il y avait la famille qui t'attendait, parce que j'avais eu une cérémonie aussi familiale que je devais présider chez moi. Ils étaient peut-être 200 personnes déjà dans la ville de Douala pour cette cérémonie. Elle n'a plus pu avoir lieu, elle a été différée. Et c'est quand je suis revenu au Canada qu'on a dû faire ça par WhatsApp, par vidéoconférence. Ça, ils ont annulé. Le deuxième truc, tout le tour que j'allais faire, j'allais établir la base au Cameroun, j'allais aller au Gabon, j'allais aller au Tchad où on m'attendait, les partenaires m'attendaient, j'allais aller au niveau du Congo aussi. Tout ça a été annulé et j'ai dit vraiment, c'était un très, très grand coup. C'était très, 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 très dur pour être vrai. C'était très, très dur pour être vrai. Et je continue, tu vois, à dire, si les autorités camerounaises, surtout de la police des frontières ou la police de l'immigration, si ils ont à cœur de pouvoir faire venir ou bien de filtrer, je ne sais pas comment faire, si ils ont à cœur de vouloir permettre aux gens d'entrer au Cameroun ou de ressortir ou bien de rester hors du Cameroun, qu'ils communiquent suffisamment là-dessus pour que nous puissions nous savoir à quoi on se prépare, en fait, à quoi on est attendu, quoi, à quoi s'attendre. Parce que, comme je redis encore, si ils avaient mis ça dans leur site internet, s'ils avaient mis ça au site de l'ambassade, s'ils avaient communiqué même à Air France, toutes ces compagnies aériennes, moi, je pense que cela m'aurait peut-être... Air France ne vous aurait jamais permis de monter à bord, déjà. Tout à fait, tout à fait. Cela m'aurait permis d'éviter ce cauchemar. Et j'ai dit bien, c'était un très, très gros cauchemar que j'ai vécu. C'était très, très gros. Jamais, jamais été dans une cellule, mais on te prend en prison. Jamais été dans un endroit où tu es avec un endroit malsain, où tu es avec peut-être 100, je ne sais pas combien on était, peut-être ça pouvait faire 100, 150. Nous étions là, tous ces gros brigands, ces voleurs, ces gars, tu ne sais d'où ils sortent, on vous mélange ensemble, il y en avait qui étaient blessés, qui étaient... C'était infernal. Il y avait des gens blessés en prison. Oui, oui, oui. Bon, ils étaient blessés. Il y en avait qui disaient qu'ils étaient dans le sud-ouest. Je ne sais pas où on les avait pris. Franchement, je ne sais pas. Ils parlaient. Ils étaient blessés, pas de soins. Pas de soins, ils étaient là. Non, assistance à personne. Je ne sais pas. Imaginez-vous, monsieur, laissez-moi un peu vous décrire. Imaginez-vous l'école publique de Tinga, à l'époque où on était là. Imaginez-vous les toilettes de l'école publique de Tinga où les tuyaux d'addiction d'eau sont cassés et les enfants défèquent à côté là. Et imaginez-vous qu'on vous mette dans une salle comme ça, vous êtes 154. Vous pouvez pas voir à quoi ça ressemble. Et avec la chaleur des doigts là, imaginez le cauchemar que j'ai vécu. J'ai dit bien que le geste que le commissaire de la PJ a fait en me sortant de cette cellule qu'on appelle le Kosovo pour me faire ressortir ici et me mettre au poste,
Je lui tire un coup de chapeau, je lui dis vraiment, je le remercie, la cible, écoute, vraiment que je le remercie. Parce que je suis dit, c'est l'enfer, ça c'était pour moi encore le pire des enfers. Je vous dis, c'est vraiment le pire des enfers. Et heureusement aussi, c'est là où j'ai testé peut-être mes anticorps. Mes anticorps sont très forts. Parce que j'ai fait un check-up et je n'ai rien eu. Et c'est là que Allez, je dis. tu fais du bois, tu fais du bois, c'est important. C'est là où j'ai dit, j'ai eu des anticorps assez vraiment efficaces en fait. Parce que Alors. ça fait rire, mais sorti de là, je dis bien que même moralement, vous êtes affecté toute votre vie. Je ne sais plus si. J'aurai ce courage encore de monter dans un vol et dire que je vais au Cameroun en toute quiétude. C'est vrai, je vais y aller. Mais je dis, est-ce que j'aurai encore cette paix d'esprit? Parce que quand je voyageais partout au Cameroun, j'avais cette paix d'esprit. J'étais apaisé. Malgré le fait que quand j'arrivais à Douala, la chaleur et tout ça voulait, ça voulait me taper, mais je dis, j'étais apaisé. Pour moi, quand je vais au Gabon, je réfléchis. Quand je vais au Nigeria, je réfléchis. Mais quand je vais au Cameroun, je suis apaisé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'aurai encore ça? Vous savez quoi? Non. Si vous prenez comme conseiller dans votre entreprise, je saurai où vous dirigez. Peut-être, on verra. Enfin, mais c'est vraiment Je vais publier pathétique. comme ça, hein? Je vais publier comme ça. C'est vraiment pathétique. C'est ce que nous avons vécu, c'est vraiment pathétique. Et je redis encore, les autorités camerounaises se doivent de beaucoup communiquer pour permettre, pour éviter ce genre de mésaventures. C'était vraiment, vraiment pénible. Et c'est extrêmement pénible. Vivre cela, je vous assure que si mon épouse, ma charmante épouse, si un de mes enfants venait à me voir dans cette situation, je suis sûr qu'il devait avoir un choc, peut-être pour le restant de ma vie. Passez-lui le bonjour à votre charmante épouse. J'ai entendu, elle a fait du bruit à côté. Passez-lui mon bonjour. Voilà. Madame, bonjour à vous. Elle ne veut pas venir à la tête, elle ne veut pas se Non, mettre elle ne veut sur. pas, mais j'ai entendu, elle a fait du bruit. Ouais. J'ai lui, hein, ça va. Oh. Écoutez, monsieur Yapi, je suis vraiment navré. On avait prévu de faire 30 minutes, mais votre histoire était si triste et captivante que j'ai débordé, j'ai fait attendre celui qui suit. Ok, merci beaucoup. Et vraiment, je vous remercie pour tout le bon boulot que vous faites. Je vous remercie pour cette audience que vous donnez pour permettre aux gens de s'exprimer sur le Cameroun, pour s'exprimer sur ce qu'on peut faire pour améliorer. Ce n'est pas, et je retiens encore à redire ici à certaines personnes, parce que j'ai, depuis ce temps que je suis sorti de là, je suis maintenant beaucoup plus abonné sur les réseaux sociaux pour voir, pour lire la tendance, parce qu'on m'a dit qu'il était déconnecté. Et j'ai beaucoup lu là. Je veux juste dire à certaines personnes que quand on fait de la critique, ce n'est pas pour déteindre ou bien pour faire du mal. Quand on fait de la critique, c'est parce qu'on veut que ça s'améliore. C'est vrai, j'étais beaucoup plus sur Facebook, tout ça, mais c'était beaucoup plus dans mon truc personnel, hein, pour peut-être dans mon cas personnel, mais pas politique. Mais je veux dire encore, pour ceux qui regardent, qui veulent parler politique, c'est du Cameroun, quand d'autres personnes vous critiquent, ce n'est pas parce qu'ils veulent que vous fassiez mal, c'est parce qu'ils ont un souci de vous voir bien faire. Et la critique est toujours positive. C'est vrai en plus, c'est Mais vrai. pour ceux qui pensent que peut-être la diaspora est entrée, ça dit qu'il faut être contre la diaspora parce qu'elle critique. Et pour ceux qui sont au Cameroun et qui tiennent les rênes du pouvoir, je vous exhorte de travailler en synergie et main dans la main avec ceux de la diaspora. Ce sont vos frères. Je vous dis, monsieur Jackie, je me reconnais beaucoup plus. Betty, d'ailleurs, mon épouse sort de là, hein. Mon épouse sort du centre. Hein. Oui, ça Anangonoy, je dis. Anangonoy, Oui. Anangonoy, Donc, oui, je vous dis, je vous redis encore que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne sommes pas des personnes qui voulons que ce Cameroun sombre. Nous sommes des personnes qui voulons que ce Cameroun puisse éclore. C'est vrai, on a eu trop de loupés, on a beaucoup dégringolé, mais ce n'est pas une fatalité. Et ce Cameroun se remettra en route. Rien qu'avec une discipline et rien qu'avec un engagement fort de ses enfants. Et ceux qui Et sont la sortis, pacification surtout des relations. et ceux qui sont sortis ne sont pas vos ennemis, prenez-les comme des frères.
ne les combattez pas. Prenez-les comme des frères. Ils ont beaucoup à vous donner, comme vous aussi, vous avez beaucoup à leur apporter. Parce que si aujourd'hui je rentre au Cameroun pour pouvoir faire quelque chose, je me pencherai, je m'appuierai toujours sur ceux qui sont sur place. Parce qu'il y a beaucoup des règles, beaucoup des éléments que je ne maîtrise pas parce que je suis sorti de ce système. C'est vrai. Nous devons travailler ensemble, nous devons travailler main dans la main et nous devons mettre de côté les querelles partisanes ou l'étiquetage des autres. Et j'ai du mal aujourd'hui à dire, à prononcer le nom de cette fille qui a eu le visa et qui n'avait que comme référence son acte de naissance, d'après ce qu'elle m'a dit, d'après ce que j'ai vu qu'elle a montré. Et moi, qui avais tout un dossier, qui s'était préparé à prendre le visa à l'aéroport, qu'on puisse me mettre dans ce couloir-là. Il fallait pas ça. Même si les règles avaient changé, il pouvait avoir des recours gracieux. Je pourrais dû parler au commissaire. Le commissaire n'est pas un dieu. La preuve en est qu'ils m'ont permis d'arriver à Paris et j'ai parlé au commissaire de la PJ de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle qui était très content de me recevoir. Tout ce qu'ils ont fait, c'est contrôler mon passeport canadien, se rassurer de l'authenticité et s'exclamer que c'est la première fois qu'ils voient qu'on rapatrie un Camerounais d'origine du Cameroun. Et prendre sur lui le fait de casser la mention rapatriement qu'on avait mis sur mon billet. Parce que ce truc devait me suivre jusqu'à Toronto. Il a pris sur lui la peine de casser ça et dit que bon, on te laisse et tu vas jouir, puisque tu étais en business class, va jouer du salon, va prendre ta douche si tu veux prendre ta douche, va te mettre à l'aise en attendant ton prochain vol. Et je vous redis encore, je me sens très mal lorsque on me respecte à l'étranger, chez moi on ne me respecte pas. Allez naître au bon endroit au Cameroun. Cher Francis Yapi, je suis une fois plus navré. Nous allons devoir mettre un terme à cette émission. On pourrait causer comme ça 20 ans. Le sujet n'est pas exclusif. Croyez-moi, des cas comme les vôtres, j'en ai plein. Oui, je m'en doute bien. Je m'en doute bien. Je pense que... Parfois, le journaliste que je suis souffre, car je joue en même temps le rôle de psychologue sans le vouloir. Peut-être. C'est aussi l'un de vos rôles, hein. Vous devez encadrer ces personnes qui souffrent, qui viennent vers vous aussi. Comme moi, généralement, quand toute personne qui souffre vient vers moi, je lui prête cette oreille attentive et je lui dis, ça dit que je peux lui dire ce que j'ai à lui dire et après, bon, on va voir. C'est aussi ça, hein, c'est aussi ça être un être humain. Ça dit que aider les gens psychologiquement. Je ne fais que cela à longueur de journée. Croyez-moi, 90% des Camerounais ont besoin d'aller voir un psychanalyste. Jusqu'à là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être si moi j'ai besoin, ben ça ne suffit pas les 90%. Voyez-moi, je vous le dis, regardez mes émissions. Vous avez mon site jmtvplus.com. Oui, vous me l'avez donné. Regardez mes émissions avec nos frères. Vous allez vous rendre compte que c'est une évidence. Vous n'avez pas idée. Je ne fais pas passer tout le monde. Je ne peux pas faire passer tout le monde. Je ne peux pas. C'est impossible. C'est que votre cas touche des millions de Camerounais. Voilà pourquoi, lorsque vous m'avez contacté, j'ai de suite accepté de vous recevoir. Il y en a qui attendent. Il y en a qui attendent des problèmes de groupe, de politique, de trucs, de nos comportements. Nos comportements, il y en a. J'en ai au moins 200 sur la liste qui attendent. Je ne peux pas tout faire. Oh là là, ce n'est pas possible. Bon, écoutez, encore désolé, chers téléspectateurs, j'espère que cette histoire permettra à ceux qui dirigent au Cameroun d'aujourd'hui de comprendre le cri, les cris de ces enfants qui vivent dans le désespoir. J'espère que cette tranche d'émission permettra aux autorités camerounaises de comprendre que Francis Yapi, même s'il n'est pas autochtone de Yaoundé, est un enfant du Cameroun et qu'il ne venait qu'apporter de la richesse au Cameroun. Franchement, est-ce qu'un homme de cet acabit ressemble à un voyou? À un certain moment, posons-nous quand même les bonnes questions, s'il vous plaît. Il est facile. Pour vous, au gradé, pour vous, autorité camerounaise, certains d'entre vous m'appellent. Oui, Jacky Mofo, tu parles seulement des passeports et des cartes dentées qu'on n'a pas, alors qu'il y a eu le charme qui s'est bien passé ici, tu n'en as pas parlé. Oui, mais, je veux bien parler du charme. Mais devant un cas comme celui-ci, comment voulez-vous que je parle de Chan, s'il vous plaît, à un certain moment?
posez-vous les bonnes questions, ayez la bonne réaction quand même. Malgré la situation difficile chez les téléspectateurs, gardons comme la banane et les baissons les bras. À bientôt, monsieur Yabi. À bientôt, monsieur Mofo. Très grand merci. Vous êtes sur JMTV+.